Allez, salut, c'est parti, on se retrouve sur Assetto Corsa Competition. On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Ça fait un moment que j'ai pas fait de course dessus, vu que la dernière, ça dépendra en fonction de quand je vous fais la vidéo, mais a été un petit peu chaotique sur R Factor 2. Donc là, le niveau d'entrée du SA est de 75, donc c'est déjà très élevé. On est sur Monza, bon, un peu de ma faute, j'ai pris ce qu'il y avait de dispo, mais autant vous dire, 75 de rating, il n'y a pas non plus tant de monde que ça. Alors c'est fait exprès, hein, mais évidemment je le sais, pour dire de décrémer un petit peu le niveau, mais t'as plus de monde à 30 et 50 en fait. Donc j'ai voulu voir un petit peu ce que ça donne. On part 9e. Part pour 15 minutes. Go. 75 dégâts de rating, hein, de SA. On va être gentil. Derrière, 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 tu freines. Voilà, merci. Alors là, c'est plus baisser le pantalon que j'ai fait, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est de sortir déjà du premier tour pour pouvoir rouler après. Mode ninja. Bon, c'est bien, c'est qu'il ne faillit pas à sa réputation. Ça, c'est déjà pas mal, ça. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, on est P11, mais au moins, on est en vie. Ce qui est déjà pas trop mal en soi. Alors, ce qui me fait rire, c'est que tout le monde s'est hypé avec la sortie, enfin, la sortie annoncée. La Nordschleife. Regardez-moi ça! Mais regardez-moi ça! La sortie de la Nordschleife, mais ça va être une boucherie. Mais... Ah là 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 là. Ah, j'en ai fait pour tout le monde. Hein. Vous voyez, j'en ai fait pour e-Racing, j'en ai fait pour RF2, et maintenant il y en a pour ACC. Il y en a pour tout le monde. Ah, vous pouvez mettre hein, dans les commentaires, il faut rouler en ligue, il faut aller sur LFM. Plantez-moi ce que vous voulez. Là, je fais juste un constat. C'est la merde. Ouais, va-t'en avec ta BM, toi. P8 sans rien faire. Tranquille. Allez, encore un. À ce rythme-là, je vais finir sur le podium. Hein. Au setup, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'ai vraiment fait la base. Pneumatique, carburant et aileron.
Bon, après, je vous rassure, hein, je m'y amuse quand même, hein, c'est pas le souci. Bon, je dis ça parce que je m'en suis sorti, hein, je suis 7ème. Mais, ouais, je sais pas. Oh, il était optimiste sur le freinage. J'ai la Porsche, j'ai pas l'habitude, je prends souvent la McLaren. J'aurais pu freiner un peu plus tard. Quasiment stable à 90 fps, incroyable. Bon, allez, est-ce qu'elle est prenable, la BM devant? Bon, si le dynamique n'est pas très, très, comment dirais-je, pas beaucoup d'amplitude, c'est pas fait exprès, c'est que les réglages, je les ai pas fait de façon optimale pour ACC, puisque je ne roule pas beaucoup sur ACC. Alors on est à 1 seconde 5. Faut pas que je me loupe là-bas, à la chicane. Il reste déjà plus que 9 minutes. Faut freiner un poil plus tôt. C'est déjà mieux. 1 seconde 1. Il suffit de faire quelques secteurs comme ça et ça va le faire. Mais faut pas se prendre les boudins. Celui-là me fait souvent avoir. Allez, 1 seconde 2. Septième toujours. Ah, j'ai perdu du temps. J'ai perdu 5 dixièmes dans l'affaire, dans cet enchaînement. Alors, je suis pas en retard pourtant dans mon temps autour. Donc c'est devant, il a dû accélérer. J'améliore mon temps. Ah, je souviens. Je me méfie, hein. Derrière il est à 1 seconde 8. J'arrivais vite là. Allez, un peu plus de 6 minutes.
Il s'est un peu foiré ici dans le dernier secteur. Je suis revenu à 2 secondes. Il faut aligner hein, les bons tours, les bons secteurs. Ah oui, il a fait quelques erreurs là. C'est le moment de revenir et de lui remettre la pression. À 5 minutes de la fin. Le 5ème, il est revenu. Enfin, on est revenu dessus à 3 secondes 5. J'ai l'impression qu'il n'aime pas trop non plus ce virage là. Allez, est-ce qu'on a l'aspi? Faut rester sur ce rythme-là pour essayer de revenir 3 minutes, allez. Ah, freinage tardif. Perdu un peu de temps. Neuf dixièmes. Ah, il a gagné un peu plus que moi là, 1 seconde 2. Il va rester je pense 2 tours. Petite glissouille. P6, il y en a qui s'est tué. Alors, au niveau de la BOP, je sais pas du tout ce que ça vaut. Si la BM est meilleure. Je ne sais pas. Thank you.
P5, allez. Bon, devant, c'est à 10 secondes. Donc, la question ne se pose même pas. La mission va essayer quand même de revenir. Ce qu'il faut surtout, c'est pas se faire reprendre. Il va me rester un tour. Hein. Un tour pour tenir. Derrière, il a quoi? Une seconde. Tout est là. Ne pas faire d'erreur. Ah, bah voilà, le freinage est un peu limite là. Bah écoutez, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de conseils, de coaching pour passer en mode ninja. Si t'es arrivé jusque là au niveau de la vidéo, n'hésite pas à écrire Team Ninja dans les commentaires. Parce que bon, sur ACC, il faut. Hein. Après, je me suis amusé, hein. Une fois que tu as passé tout le bourbier, en fait, il faudrait que la course elle commence au troisième tour. Là, au moins, t'es tranquille. Mais il y a tout sur ACC. T'as les rétros, extérieur, intérieur, t'as le radar. Enfin, je sais pas, moi. Je sais pas ce qu'il leur faut, gars. Essaye déjà pas de gagner 3 ou 5 places au départ. Et déjà, la course sera déjà un peu meilleure pour tout le monde. Il n'y a pas de honte à rester derrière au frein. Enfin, je veux dire, t'as la première chicane, tu restes derrière sagement. Certains vont me dire c'est pas la course. Bref, on pourra en discuter pendant des heures et des heures. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. On termine P5 en ayant démarré P9. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Et je vous dis à une prochaine. Tchuss.